Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir, connectez-vous, le mois de carême est fini. Bonsoir, Kaba est là, Kaba Dems est là, bonsoir, Soumaré Alpha est là, soir. Attends, je dois prendre mes lunettes, hein. Soumaré Alpha est là, Kaba. Kaba, bonsoir. Mais si vous voulez me faire plaisir ce soir, partagez dans tous les groupes que vous connaissez. Hey, partagez dans les groupes maliens aujourd'hui, partagez dans les groupes sénégalais. Partagez dans les groupes guinéens, partagez dans tous les groupes que vous connaissez, la famille, s'il vous plaît. Partagez et partagez et repartagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Ok? Karamba, Karamba est là. Karamba est là. Bonsoir, bonsoir à Fofana. Fofana Madusso, bonsoir, comment vas-tu? Tu vas bien? Partagez dans les groupes. Je cherche les gens de l'Europe. Où est Doussou, l'arrêt de l'air, oh, ma Guinée est là d'abord. Mon champion de tous les temps, Ansou Damaro, les 5 étoiles dans la maison. Bonsoir Ansou et merci pour ton combat. C'est-à-dire, on ne sait pas comment te remercier, on te dira seulement bonsoir au nom de toute la jeunesse. Et la famille, qu'est-ce que vous attendez pour mettre les cœurs? Vous voyez que les noms invités sont dans la maison des alphaïstes. Ansou, ils veulent me casser dans mon rythme pour te dire merci. Merci pour ce que tu fais tous les jours. Personne ne peut t'égaler. Vraiment, tu as un big up. Et toi et Benito, vraiment, vous mettez le paquet. Vraiment. Vous êtes des vrais patriotes. Vous méritez le chapeau de tous les jours des vrais patriotes de la Guinée. Les alphaïstes, vous dites merci. Les alphaïstes, vous dites merci, merci. Et vraiment, vous avez leur support parce qu'ils ont compris que vous voulez le meilleur pour la Guinée, pas le bien. Le bien n'est pas suffisant, mais le meilleur. Donc, je vais essayer de dire un peu le nom de tous mes téléspectateurs qui sont là. Bossayo Mara est là. Abdul Karim Silla. Mariam Traoré. Alpha Condé. Les Condés sont dans la maison. Donc, je serai aussi avec Benito aujourd'hui. Nous allons discuter. Il sera mon invité spécial et Monsieur Silla aussi se joindra à nous. Nous avons Ousmane Diakité, Fantabil Sako. Alpha Condé. Alpha Condé même est dans la maison. Hein? Alpha est venu suivre le show. Vous pouvez croire. Donc, bonsoir. Yusolo Luceni Lumkastia. Bonsoir, bonsoir. Vous m'excuserez beaucoup si je prononce mal vos noms. Parce que vous savez que vous avez des faux comptes ici. Donc, les noms que vous faites là, des fois, là, c'est pas évident. Fantabil Sako, Konate Yannick. Bonsoir, Cabinet Kaba. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Touré, Mohamed, salut, comment va? Donc, la situation est qu'on a notre invité spécial qui viendra nous rejoindre, Benito de Masanta. Nous allons discuter. Hey, excusez-moi, je vais prendre le coup de fil là.
La famille, il fallait que je prenne. Il fallait que je prenne le. Hein? Il fallait que je prenne le coup de fil là. Hein? J'ai fait une transaction où j'ai fait une erreur. Au lieu d'envoyer à la personne 35 $, je les ai envoyés 3 500 $. Donc, fallait que je prenne ça. Ça, c'est une grande somme que je ne peux pas laisser comme ça. Donc, bonsoir. La famille, j'espère que vous allez bien connecter, partagez s'il vous plaît dans tous les groupes. C'est très important ce que nous allons discuter aujourd'hui. Partagez pour nous dans tous les groupes. Mamadi Keta est là. Bonsoir Mamadi. Partagez pour moi dans tous les groupes parce que nous allons décortiquer certaines informations. Ahmed Tata Kamara, bonsoir. Abdul Ba, bonsoir. Comment ça va? Donc, nous allons décortiquer certaines informations que nous avons eues à travers Mediapart. Donc, ce que nous allons dire ici par rapport à ce qui se passe n'est pas de nous. C'est pour cela que nous disons selon Mediapart. Donc, les informations, il faut que les gens sachent que ce n'est pas une confirmation que moi j'ai donnée. C'est un journal français qui a fait un reportage sur la situation de la Guinée et aussi les conditions dans lesquelles ils ont retourné le professeur Alpha Condé à Conakry. Et ça, nous, ça nous a permis d'être édifiés sur beaucoup de choses, tu vois. Donc, c'est ça. Nous allons essayer de commencer. Benito doit nous rejoindre, il n'est pas là d'abord, mais c'est pas grave. Je vais vous faire l'introduction de ce qui m'a animé de faire ce show d'aujourd'hui et d'être la personne vraiment qui vous explique, parce que je vais vous expliquer dans le langage que tout le monde peut comprendre facilement. Vous comprenez que tout le monde comprend très facilement, parce que c'est pas les mots difficiles qui vont faire que ça va passer, parce que je veux expliquer aussi en langue nationale pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Donc les personnes qui parlent les langues nationales là, ne partez pas, ne hein. Les langues nationales, parce que mon a résumé mané langue nationale fin. Bon, moi mené en bracan pour l'ankal tout ça, alkana wade anda be résumé à manika kando ambake bana, parce que rapport mais anya fali anya y quoi. Donc, pour que Anya Alia comprenne comment Anya comment expliquer couralien, c'est très important. Donc, Alukanawa, donc Anni Masanta, Benito, les Keto, à discussion qu'elle a, discussion qu'elle m'a donnée. Et alors, faut citer moi, c'est là. Attends, Makolo. Bisous, papa, je suis en direct. Bisous. Bonsoir. Bonsoir, tu m'entends bien? Ouais, j'entends très bien, ça va. Bon, tout le monde, ça c'est mon chéri à moi. Hein? Comme vous croyez que je n'ai pas de mari, là, voilà mon mari qui est là aujourd'hui avec moi. Comme vous ne connaissez rien là, ben, c'est mon mari qui est là comme ça. Donnez-lui beaucoup de cœur, il est dans la maison. Hein? Bon, tu sais, moi je ne peux épouser qu'un alphaïste. Quand je dis alphaïste, c'est un vrai alphaïste. Donc c'est lui ici là. Donc je vous le présente. Benito, bonsoir. Je voudrais d'abord franchement dire bonne fête à tous nos abonnés, bonne fête à tout le peuple de Guinée. Voilà. Et moi, je voudrais aller directement avec ce sujet-là qui est très important, ce que tu es en train de... ce que tu veux expliciter là. Parce que franchement, nous avons été trompés. Ma chérie, nous avons été trompés. Ouais. Nous avons été trompés. Ouais. Et le seul sauveur... Partagez, c'est très important aujourd'hui ce que nous allons discuter. Partagez dans tous les groupes que vous connaissez. Maka, je vois ta tête là-bas, il faut partager à l'air. Partagez. Ok. Il y a mon grand frère qui s'est venu même ici là. Donc, ils ont déjà partagé. Donc, je vais être honnête envers toi, ma chérie. Je vais te dire la vérité. Le professeur Alpha Condé aujourd'hui a été trahi. Ouais. Mais ceux qui pensent qu'ils sont trahis, ils ont trahi le professeur Alpha Condé, se sont trompés, ils ont trahi le peuple de Guinée. Ouais, effectivement. Moi, je préfère donner raison à l'histoire. Parce que à tout moment, en tout temps, notre pays a été tout le temps trahi. Il a fallu un homme qui a tout le peuple derrière lui pour sauver le pays. Amé Sékou Touré, Lansana Conté a été boycotté, saboté. Ouais. Boycotté, saboté dans ce pays-là. Mais Lansana Conté a dit en soussou, est un enfant envoyé. Emine Mahori, Emine Sende, l'ensemble qu'on a dit. Pour l'autre, pour avoir un peu de bauxite. Très malheureusement, il est mort, très malade. Donc, ce que je voudrais dire, nous avons les informations de Mediapart. Moi, je sais,
fait que tu as eu la toile, tu as eu tous les documents entiers, c'est vrai. Mais avant-hier, il y a un frère qui m'a appelé. Ouais. Il dit, si tu vois que la Guinée n'a pas été sanctionnée, parce que j'ai vu vos débats, Damaro, Matou et toi, les autres, j'ai vu le débat, vous avez dit que la Guinée n'a pas été sanctionnée, il faut d'abord qu'il y ait une mission. Cette mission a été organisée par le Quai d'Orsay. Ceux qui ne connaissent pas le Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay, c'est l'équivalent des ministres des Affaires étrangères de la Guinée, comme le département d'État chez nous ici. Est-ce que vous comprenez? Déjà, on dit doucement avec la Guinée et le Burkina. Donc, nous ne nous serons pas sanctionnés, que les gens enlèvent ça dans leur tête. Nous ne serons pas sanctionnés. Aujourd'hui, notre pays a été déjà encerclé par certaines idées. Donc, je vais énumérer trois les principales idées. Les trois là me tiennent beaucoup, me fatiguent dans ma tête. On dit, voilà, comment est-ce que vous pouvez faire pour aider ces jeunes-là? C'est-à-dire, en s'adressant à Alassane Ouattara et au président Macky Sall. Comment vous allez aider les jeunes-là? Ouais. On ne parle pas du peuple, on ne parle pas de la Guinée, on parle de ces jeunes. C'est-à-dire, le président, le chef de la junte, le bandit, et le chef de la junte, qui a totalement changé. Il a totalement changé. Parce qu'il était en train de faire un programme pour adapter par rapport au refus de la CEDEAO de l'accord de 36 mois. Il est en train de tout faire, trouver un plan, un organigramme correspondant à ce que la CEDEAO. Subitement, comme ça, il a changé. Ouais. Subitement, il a changé de trajectoire. Il veut tenir la CEDEAO. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Ouais. C'est ce qu'on veut qu'ils comprennent aujourd'hui. Dans Mediapart, ils ont mentionné cela. Le changement brusque de l'attitude du chef de la junte. Et concernant les 39 mois de la Guinée, moi je veux te le dire, hein, quand tu vas lire tout le document, tu verras, cela n'est pas venu de Mamadi. C'est calculé par rapport à un programme de la France, par rapport au programme de la France. Ouais. Sinon, quand toi tu vois... Tout est chronométré par la France. Donc, excuse-moi un peu, je voudrais te dire par là, et dire à tous nos abonnés, que le seul peuple détenteur de la souveraineté doit sauver ce pays-là. Parce qu'Alpha Condé est déjà vendu. Il a été déjà vendu. Aujourd'hui, avec le président Macky Sall et le président Alassane Ouattara, la Guinée et le Burkina ne seront jamais sanctionnés. Jamais sanctionnés. Ça, je te le dis. Ils ne seront jamais sanctionnés. Si la Guinée parce que tout récemment, ils ont voulu alléger même les sanctions des chefs de la junte. C'est-à-dire, on voudrait qu'ils se déplacent pour aller se défendre. C'est-à-dire, on veut les écouter. C'est-à-dire, on veut le faire de sorte qu'on les déplace pour qu'ils puissent aller s'exprimer, se défendre aux Nations Unies, se défendre partout. Et ça, le président ghanéen a refusé. Au-delà. C'est grâce à lui, hein, Benito, sans te couper, c'est grâce au président ghanéen que jusqu'à présent, que la Guinée, Doumbouya n'arrive pas à s'en sortir. Oui, mais ça ne tenait qu'à Alassane Ouattara et les autres là, c'est fini. Doumbouya a fini de s'installer comme il l'aime. Ils vont passer à une autre étape. La dernière visite du président togolais, en Côte d'Ivoire, j'ai suivi des débats concernant la visite de ces messieurs-là. Le discours du président Ouattara, il a dit devant les interlocuteurs que son frère et lui, ils vont signer pour la paix dans la sous-région. C'est ce jour-là, Matou, j'ai dit que c'est terminé. C'est ce jour-là, moi j'ai dit que c'est fini pour Alpha Condé. C'est fini pour Alpha Condé, c'est terminé. Ils ne parleront plus de lui et c'est terminé. C'est ce jour-là. Parce que les deux-là, voilà, surtout le président togolais, c'est le vrai pion de la France dans la sous-région. C'est le meilleur pion. C'est l'homme de la France dans la sous-région. Mais aujourd'hui, si Alpha Condé n'est pas humilié de plus verte, c'est grâce au président tchadien. Parce que lui, il avait mis un deal. Il faut bien lire la troisième paragraphe de Mediapart. Le petit a en train de mettre beaucoup la pression sur Macron pour ne pas que franchement les choses aillent loin. Donc, bref, je voudrais dire au peuple de Guinée, si vous ne nous sauvez pas, parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas de partis politiques. Je vais aussi dire ce passage avant d'entamer le deuxième point. Nous ne parlons pas de partis politiques ici, parce que les gens ont tendance à confondre le peuple et les partis politiques. Aujourd'hui, je remercie tout le monde. Je peux te faire montrer même
un entretien que Pitaka a monté avec un politicien. Il a été clair. Il dit, Doumbouya veut se foutre de nous. Il pense que nous sommes types. Ouais. Là aussi, il a éliminé le nom de son candidat, son choix. Aujourd'hui, je vais te le dire dans ton direct. Mais n'oublie pas, comme tu es en train de développer maintenant, il ne faut pas oublier la, le paragraphe par rapport au, au démantèlement des partis politiques. Commencer par le RPG, au UFDG. L'UFDG croit que c'est un problème. Ou on qualifie de fouteur de troubles. Voilà. Je voudrais dire à ces personnes-là qui pensent que c'est un problème des partis politiques, restez dans cet esprit-là. Nous ne demanderons pas à un parti politique. Nous n'avons jamais demandé à un parti politique de sortir. Nous avons demandé au peuple de sauver la Guinée. Ouais. Il ne s'agit pas de sortir, c'est de sauver la Guinée parce que le pays est déjà vendu. Ouais. Et aujourd'hui, la seule garantie que Mamadi a, la seule garantie qu'il a, c'est la France. Ouais. Et Mme Mamadi a un problème que les Français aussi vont l'aider à régler. C'est concernant le corps des personnes qui sont mortes au palais. Mmh. Est-ce que vous comprenez? Donc, seul le peuple, bonsoir à ma Guinée d'abord, Damaro, comment vas-tu? Seul le peuple. On a une invitation. Ceux qui pensent que c'est un problème de parti politique, j'ai vu un petit qui a attaqué Tola parce qu'il a parlé de sortir le 5, que les RPS a donné de l'argent à Tola pour demander à l'Axe de sortir. Ce n'est pas un problème d'Axe. L'Axe peut rester tranquille. Si l'Axe veut ne pas sortir, ça ne fera rien. Nous demandons au peuple, ne demandons pas à un secteur de sortir. Ouais. C'est comme le RPG arc-en-ciel. Nous ne demandons pas au RPG de sortir. Nous demandons au peuple. Le peuple n'est pas égal au RPG. Le peuple n'est pas égal à l'IFR. Le peuple n'est pas égal à... Nous avons vu le poste de Sandy, du FNDC. Ils ont demandé de se mobiliser. Nous avons... J'ai écouté mon grand frère Makanera qui a été clair. Nous avons demandé à tout le monde de se... Voilà. Voilà, ma Guinée est là. Comment ma Guinée est là. Voilà. Macadera a été clair. Macadera a dit que nous avons demandé à la BAD de se mobiliser. Ce n'est pas un problème de parti politique. Je voudrais que les gens arrêtent de confondre les choses. De confondre là, ce n'est pas un problème. Maintenant, ceux qui aiment dire nous n'allons pas faire sortir l'IFDG, ça c'est votre problème. Gardez l'IFDG là-bas. Nous nous demandons au peuple, c'est le peuple qui nous intéresse. Ouais. Le dernier pas avant que ma Guinée commence un peu, je voudrais dire aussi concernant. Les prisonniers politiques. J'ai une information aujourd'hui. On veut introduire dans un lot d'articles, un article. Quand tu fais 3 mois en prison, automatiquement, tu n'es plus éligible. Mais comme je n'ai pas d'abord toute l'information, écoute très bien. C'est pour dire aux gens que ce qui se passe comme ça, les casseurs et autres en prison, ce n'est pas un problème de vol ou autre. Si c'est un problème de vol, mais on dit que tu as volé, on peut aller à la justice. Mais c'est aujourd'hui, tu es en train de tout faire, créer un article pour condamner tous ceux qui feront 3 mois de, j'ai dit, 3 mois de prison sont automatiquement disqualifiés. Trois mois même est trop. Tous ceux qui vont séjourner en prison, c'est tout. Voilà. Tu vas entendre dans les 2 jours-là l'article-là. Moi, je pense que les militants de l'IFDG, certains militants qui pensent que c'est un problème politique, qu'ils ne vont pas sortir, là, moi, je ne demande pas à quelqu'un de sortir. Je souvent mis Alpha no Kasso, Alpha no Soka, Alpha no Jogita. Maintenant, il y a un problème Alpha que même mes maris, Kasso et Kasso, mes maris Damaro Kasso, Arbe Damantan Kasso, Kuruma Kasso, Lucen Nabe gouverne, un faux no Kasso. On a la gorge. Donc, Jordé ton immo, Wonden Goto, Fila le Golbe, parce qu'on y donne une fille la Guinée, une fille la Guinée Bonani, Kofi Lutu Gol. 39 mois plus les 8 mois qu'ils ont déjà fait en tout. Et pourtant, Jeune Afrique a été clair. On parle de 52 mois. Le vrai document est là-bas. C'est 52 mois. Ce n'est pas 39 mois. Donc, Jode, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Après, dame le fané de fond, ni qu'on s'est fané, ni en tebola bi, hein, à dire qui. Non, de non, pas ça, jusqu'à. N'a pas le nien, n'a pas le nien. Ou la trame, ou la mène dans le bisac, ou la vani bi matoto. Deux sacs d'argent. Ah, ou la vani bi matoto. Ou dio, aïe la tala, nan d'en ou la tala. Aïe à damou, aïe à damou. Eh, aïe à la tala, aïe à di bema. F, ne, moi j'ai l'espoir parce que FNDC va décider. Il y a des mouvements, comme mouvement de quoi, on va pas décider. Donc les mouvements là, même les syndicats, ce n'est pas de moindre. Maintenant le parti politique, on a l'accompagné. Nous avons le cas d'un RFIA, moi aussi, c'est comme ça, d'accord. Et c'est là le danger. Doumbouya est cuit actuellement. Doumbouya est cuit. Il faut seulement des vrais soldats. Les vrais patriotes à lancer le coup d'envoi. Ouais. N'oublie pas que plus de 8000 travailleurs, on les a mis à la retraite comme ça, sans mesure d'accompagnement. C'est la ça. Vie des Guinéens, des militaires aujourd'hui, tout ce qu'ils font là, c'est de la simagrie du cinéma, mon frère ouais. Benito. Ouais. Les gens, actuellement, c'est-à-dire, on a assis, je vais dire, vous n'avez pas dire une bombe actuellement, mais il suffit d'un coup d'envoi. Tu vois, comme ouais. Tu viens de le dire, ils sont en train de distribuer de l'argent. Même les petits communautés. Deux sacs d'argent. Les petits communicants, ils avaient commencé à casser l'élan parce qu'on avait parlé du 5. Mais oui. Dieu merci, le monsieur est venu faire sa déclaration avant le 5. Donc ça nous donne, ça, voilà. Ça nous donne encore. Il y a mis la partie là. Si c'était après le 5, ça n'allait, on n'allait pas avoir raison. Mais il a fait avant le 5. Tu as vu Moussa Moïse, c'est du cinéma qu'on adresse à la nation. Ils vont prendre des élèves. Ils mettent un projecteur, ils lisent le communiqué. Parce que le gars, il ne peut pas tenir un bon discours. La première fois quand il a tenu un bon discours, qu'on va faire le sale boulot. Ouais. Il a non, tout gâté. Non, le mot là aujourd'hui. Non, le mot là, non, je ne sais pas. Mais je vais vous parler aussi en koniaké, quoi. Parce que vous parlez mieux que moi. Bon, dites à notre. Bade malo, et trop malo. Mengu, Agnala bi, Aïkoko, toutou les forestiers, allo forestiers, nous forestiers, nous. Moi, la complexe, moi, la barre. Et on a dit, moi, la page, quand. Et un commentaire, nous, là. Moi, le commentaire, nous, qu'elle a un commentaire, nous, c'est pas là, quand moi, l'attaque. Donc, Mengo était à l'autoco. Parce qu'à l'autre, elle est molle, à l'autre, elle est tanina. À l'autre, elle fait qu'elle est primée, elle fait qu'elle est de qui est molle, là. Nous, des fois, qu'elle est molle, moi, là, olé, olé. C'est-à-dire, nous, de l'accompagner, là. Nous, des fois, qu'elle est primée. Alors, mon frère est cassé, là, on y a. Mon frère est cassé, là. Mon frère, qu'elle est cassé, là. Va dans ma cassola, va le cinéma croquelonia, aïe cassola. Et puis, Albeda Mantafana cassola, ni moi kataoma. Maintenant, elle aussi, aïe a fois qu'on a nous te bola, aïe te bola moye. Aïe la guine là, la guine y'a nidat. Genedi Santola team, Sanjuoro. Sanjina ni côté de Sanjuoro. 2026, c'est l'Afrique, bien précisé. Ni dama dit c'est la team, en 2020, à la mort baro. Et puis, c'est bon, Kaouli, dama Kaouli, aïe kamel la baie. Moi, je suis dit que parce que moi, je suis dit que moi, je suis dit que parce que moi, quand je suis dit que je suis dit donc, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je dike dit que je suis 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 dit que du côté dit que voilà sous côté dit que je suis je vous jure le gars même si on lui donne 5 ans il va rester aussi longtemps que possible. Ils vont venir juste nous distraire. Vous savez, on a été constant dès le départ. On l'a dit aux gens, mais ils n'ont pas compris. Mais les gens commencent à se réveiller. Le gars, quelqu'un qui a pris les armes, allait tuer des gens à la présidence. Déjà, son passé est connu. Vous pensez que ce gars-là va se lever comme ça? On a prévenu les gens, ils n'ont pas compris. C'est maintenant, tu vois les postes de Tiananmen, Nembo, tous ceux qui ont voulu caresser le gars là, ils ont tous compris que le monsieur c'est un bandit, il n'est pas prêt à partir. Seule la force, et ce que nous avons commencé comme ça, il faut un soulèvement populaire accompagné des soldats patriotes pour dégager ces bandits là. Sinon la Guinée, on va rester encore à souffrir, à se lamenter ici. Doumbouya, rien ne fera partir ce bandit là si ce n'est pas l'action populaire. Accompagné des soldats patriotes. Sinon, continuez. Ce bandit n'ira pas. Ouais. Et puis, comme tu as parlé le cas des petits blogueurs, là, moi, je vais dire à certains, tu as vu le rapport des États-Unis qui disent que la démocratie
s'est arrêté le 5 septembre. Oui. Tu te rappelles, ceux qui disaient que non, il y a l'armée au temps du professeur Alpha Condé, le pouvoir, c'était la dictature. Tu te rappelles quand celui est sorti? Tirez, tirez, tirez. Tout ça, là, on a vu dans ce pays-là. Il y a eu combien de manifestations? Les gens ont dit que non, ils veulent le retour à l'ordre constitutionnel au temps d'Alpha. Malgré qu'il y avait l'ordre constitutionnel, ils ont dit non, que ça, il y a eu troisième mandat, ils ont dit beaucoup de choses. Mais je demande à ces personnes-là, pourquoi Selou est à l'étranger aujourd'hui, il n'est pas en Guinée? Pourquoi? Oui. Pourquoi oui. Les Tidjans là qui sont là aujourd'hui, nous, on ne va pas s'associer. Nous, on n'a pas... Est-ce que le RPG a dit à quelqu'un de faire le combat pour eux? Nous, on a appelé le peuple, on n'a pas appelé... D'ailleurs, mais Benito, nous ne sommes pas des communicants du RPG. Ouais. Nous sommes des combattants. C'est vrai que nous aimons le professeur Alpha Condé, mais ouais. Nous ne communiquons pas au nom du RPG. Le ouais. RPG, ils ont leur porte-parole, Domani Doré. Est-ce que nous, nous travaillons pour Domani Doré? Non. C'est vrai que nous non. sommes des sympathisants du RPG, mais nous ouais. ne sommes pas des communicants. Nous n'avons pas fait un communiqué, les militants du RPG sortaient, mais nous avons dit les patriotes. C'est ça que nous avons demandé. Ouais. Donc, les petits communicants qui n'ont pas compris ce jeu-là. Votre leader, Selou Dalé, aujourd'hui, il a un exil forcé aujourd'hui. Il a un exil forcé, il faut le reconnaître. Parce que le jour qu'il va mettre pied en Guinée, ils vont le prendre. Ils vont le prendre, ça c'est clair et net. Ouais. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est politique. Benito, regarde aujourd'hui, où se trouve Abaka Marissa? Où se trouve Lamine Cissé de Anaïm? Anaïm, il a pu... Voilà, mais comment ils ont fait pour sortir? Tous ces départements où il y a l'argent, ils ont pris l'argent avec ces personnes-là. Ils ont facilité leur sortie. Oui. Maintenant, tous les leaders qui sont politiques là, les Damantins, oui. les Kourouma, oui. les Damaro, regarde Damaro, on dit qu'ils ont détourné 15 oui. milliards. Ils ont appelé la trésorière, ils ont, c'est-à-dire fait montrer de A à Z. Oui. Tu sais, c'est combien qui est resté dans, ils ont tout justifié, 20 millions de francs guinéens seulement. Quelqu'un dont son salaire dépasse 20 millions. Comment est-ce que lui, ces 20 millions, il va... C'est-à-dire, il avait pris de, prêté de l'argent pour payer le prime des députés, oui. Aménager l'Assemblée, payer des bus, et 6 milliards sont restés dans les caisses. Ils ont fait plus de 11 heures, ils n'ont rien vu. Oui. Ils n'ont rien... C'est-à-dire, on ne peut pas le condamner. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des coups d'appel pour qu'on le retire, parce qu'ils savent que Damaro, il n'a pas sa langue dans sa poche. Ouais. C'est-à-dire, il ne va pas hésiter de dire ce que vous êtes en train de faire. Ils ouais. savent que s'il appelle, les gens vont sortir. Donc, il faut attraper sa leader-là, les mettre en prison. C'est et tout. Ça, c'est devant tout le monde. Mais ça fait partie de leur programme, non? Non. Oui, c'est ça. Dans le rapport-là, Damaro, que je voulais développer, Benito a résumé le Mediapart. Là. Benito, tu sais, non, ils ont dit le plan... Dans le plan, le démantèlement du RPG, number one, et après qu'on ait fini avec le RPG, ses leaders, on doit s'attaquer à UFDG. Selou est qualifié d'être, par Ouattara, le fouteur de troubles. Donc, il faut complètement l'éliminer. Oui. Donc c'est ça. Mais que je voudrais ajouter, concernant le rapport du département d'État, comme Damora a soulevé ça, vous savez, ça fait très mal aujourd'hui à certains chefs d'État, parce qu'aujourd'hui, certains chefs d'État seront notés par les Américains en partie leur attitude. Parce que les Maurice, Américains... je vais te bloquer tout de suite. Hein? Bloque-le, bloque-le. Il dit qu'il est armé, il faut le bloquer. Il faut le bloquer. Je voudrais dire par là, comme Damaro l'a si bien dit, on dit à les départements, le document est là-bas, ce n'est pas du bavardage. Le document est là-bas. On dit que la démocratie s'est arrêtée au 5 septembre en Guinée. Ils ont dit, ouais. C'est là, le document est là-bas. Ils ont le document. Mais Benito, c'est tellement détaillé, même les mascaras d'organisation des mouvements qu'il a organisés là, quand il refuse que les partis politiques se manifestent, lui, il laisse les gens se manifester pour lui, et après il accuse de corona, pourquoi les gens ne peuvent pas se manifester, ils ont tout mis dedans. Les Américains là sont là, ils sont en train de tout observer qui se passe à Conakry. Je voudrais m'adresser à travers ce rapport, pour le rapport là, je voudrais m'adresser à certains communicants qui sont... Nous là, où, actuellement, là, nous avons quitté dans le domaine de la communication d'un parti politique. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas communicants d'un parti politique. Voilà. Ouais, nous sommes des RPG arc-en-ciel, nous sommes alphaïstes, mais actuellement, là, le combat a changé de statut. Aujourd'hui, ouais. nous battons pour le peuple de Guinée.
Il faut qu'il y ait... Moi, je voudrais dire à ces communicants qui disent qu'on va, ils vont, nous n'avons demandé à personne de s'ajouter au RPG. Parce que ce n'est pas un mouvement de RPG. Est-ce que vous comprenez pas? Moi, j'ai vu Damaro et toi là. J'ai apprécié ce jour-là. J'étais très moi content. Aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup content. Apprécié ça. Très ah, content. Ça les a... Ça dit, je te dis, ils ont c'est... bloqué de l'argent. Ça les a voilà. Dérangés. Voilà. Ça, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le président Macky Sall et le président Alassane Ouattara font du jeu actuellement là. Ça ne marchera pas. Parce qu'ils veulent que la Guinée soit tolérée et que le Mali soit sanctionné. Ça ne peut pas marcher. Benito, oui. Tu peux parler de Macky Sall, mais concernant Ouattara, pardon, il ne faut même pas. Je sais de quoi je te parle. Okay. Ouattara n'est même pas dans leur jeu. Wallahi, ça voilà. Je te le confirme. Non, je suis en train de résumer. Ouattara est dedans. Non. Bon, écoute, je suis en train de résumer. C'est-à-dire, je suis vous en train de vos contacts. Moi, je me contacte. Attends un moment. J'ai dit ce matin, j'ai dit, moi, je le compte pas sur la France. Je m'accentue beaucoup sur le peuple. Le plus important pour Benito et pour tout le monde, c'est le peuple-là. Est-ce que oui. Vous c'est à cause de ça que je me félicite du fait que le FNDC, il y a une autre organisation-là qui vient de dire que Doumbia se fout des gens et que c'est fini pour lui. Ils vont se battre. Mais comme il veut maintenant la pagaille, qu'il y aura la pagaille. Est-ce que vous voyez? Moi, je préfère, je m'adresse à ces partis politiques, à ces communicants des partis politiques. Moi, je voudrais vous dire ceci. S'il vous plaît, si c'est au nom de l'UFDG, restez à la maison. Si c'est au nom du RPG, restez à la maison, ne sortez pas. Si c'est au nom de l'IFR, restez à la maison. Parce que ceux qui vont sortir, rien ne sera écrit sur leur corps, qui sont du RPG, ils sont de l'IFR, ils sont du... Moi, je voudrais qu'on reste et qu'on emploie le mot peuple. À peuple, oui, j'aime beaucoup ça. Le peuple de Guinée. Moi, oui. Je ne parle pas de 1958. Moi-même, depuis longtemps, maman m'a interdit de parler de parti politique. Ça fait longtemps. Et elle m'a même dit, il faut dire à Damaro de ne pas parler. J'ai dit, non, ça c'est d'abord, il faut, quand il sera à 30 ans, il faut le dire ça. Parce que moi, je vous le dis, on parle du peuple. Voilà, maintenant, en tout cas, je répète sur la passe de Mathieu aujourd'hui. Celui qui viendra au nom de l'UFDG, c'est que tu n'es pas venu. Il reste à... Pardon, retourne-toi. C'est le peuple. Parce que moi, je sais que certains vont rester derrière et venir un nous dire que c'est eux qui ont fait le mouvement-là. C'est eux qui ont fait gagner. Moi, je connais certaines personnes parce qu'ils sont tous à la malhonnêteté là. Quand nous allons gagner, nous allons avoir cette victoire-là, ils vont venir dire que c'est nous qui avons fait le même combat. Et pourquoi? C'est à cause de moi, je note tout le monde. Les classes vont commencer après la chute de Doumbouya. Ouais. Quand je dis les classes vont commencer, parce que tu ne viendras pas communiquant bas, ou bien activiste bas, ou bien lanceur d'alerte, tu viens après nous dire que c'est toi qui... Moi, je ne parle, je le dis haut et fort, je ne dois à personne. Personne, la seule personne qui connaît ce mot-là, c'est lui qui est là comme ça. Non, et je m'adresse à vous, je m'adresse à vous les communicants. C'est à cause de Tidjan la puissance, mais elle n'a pas pu un goutou. On en faut groupe Mongo, mais elle n'a pas pu un goutou. C'est qu'on fait IFDG. Son Ari Hara, il n'a pas IFDG. Restez là-bas. D'abord, on a parlé de Selou tout de suite là. Vous pensez que Selou n'est pas conscient de ce qu'il arrive actuellement là? Vous pensez que c'est le voulu de Selou? Selou fala on extérieur. Selou tourne autour de la Guinée-Bissau, il tourne autour de du Sénégal. Ça ne vous fait pas pitié? Selou n'est pas rentré. Moi, je pensais que vous allez voir l'attitude là. Vous n'allez jamais dire que c'est Selou qui vous a dit de ne pas sortir. Vous n'allez pas dire ça. Moi, j'ai écouté Selou Baldé. Selou Baldé est en train de créer un mouvement, Renourac. Un mouvement, on dit quoi là-bas, pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Selou Baldé, le député, c'est de l'abbé. Donc, à Ouattara, à Lango, il nous a dit Selou Union, toi, ajoutons. Parce que là, on ne parle pas. Toi, là aussi, parle du peuple. Toi, on n'a jamais parlé de l'IFDG. Toi, on a parlé de l'IFDG. Mais allons-nous. Vous allez faire encore, nous allons commencer des discussions. Et moi, je ne veux plus faire vos jeux. Je ne veux plus rentrer dans vos jeux. Si on parle au Yenembe, Mobe, si on parle, vous allez dire ce que vous voulez. Moi, c'est le peuple là qui m'intéresse. Aïran, Tian, la Pisa, regarde-moi très bien. Moi, je ne parle pas d'Air Pisa Cancer. C'est mon parti. Mais là, depuis que j'ai commencé ce combat de cercle-là, je ne parle pas d'Air Pisa Cancer. Nous ne parlons pas d'Air Pisa, nous parlons du peuple. Parce qu'aujourd'hui, qui souffre? Toi, tu es aux États-Unis. Qui ne souffre pas. Mais regarde le peuple aujourd'hui là. Aujourd'hui, il y a un jeune qui a envoyé un vocal à Matou, à Kerouani. Le jeune a bien dit la pension des gens, 1 500 000. Alpha Condé a rehaussé la pension. Alpha Condé a augmenté la pension. Alpha Condé a réorganisé comment donner la pension.
ils ont donné 500 000 aux gens. Au lieu de 1 500 000, ils ont donné 500 000. Donc, comme vous pensez que c'est un problème de parti politique, est-ce qu'on parle de la campagne ici? Vous devez comprendre qu'on ne parle pas de campagne. On parle de la libération du pays. C'est ce que tout le monde est en train de dire. Mais vous êtes en train de distraire les gens. Vous êtes en train de mettre les partis politiques. On ne parle pas de partis politiques. On parle du peuple. Ouais. Et que le peuple comprenne que la Guinée, la République de Guinée, la nation guinéenne, est, la dame de, la dame Bofala, on la dame est attaqué, on est attaqué, la dame on est agressé actuellement. La dame a dit que Alpha Condé Maga Roubé, elle a dit ça, j'ai beaucoup aimé la partie là. Anna Doumbouya, Alpha Condé Maga Roubé, tu sais pourquoi elle a dit Doumbouya, qu'Alpha Condé Maga Roubé, parce que toi-même, tu étais Alpha Condé avec toi. Parce qu'Alpha Condé avait les forces spéciales, en ce temps-là. Alpha Condé avec toi. Alpha Condé avait le Baka, Alpha Condé avait la garde présidentielle, Alpha Condé avait les commandos chinois. Donc Alpha Condé était plus fort que toi. Aujourd'hui, toi, tu n'as que tes petites personnes-là, des petites personnes, des petits esprits qui sont à côté de toi. Tu n'es pas avec l'armée. Si tu as bien compris ce que la dame a dit, Alpha Condé m'a garoubé 1000 fois. Parce qu'aujourd'hui, là, si l'armée est restée comme ça, là, c'est pour éviter un bain de ça. Sinon, tu ne vaux absolument rien. Bien. Avec tous ceux qui te supportent là. Voilà, moi aujourd'hui, c'est mon petit frère, il m'a appelé, il dit « Grand, nous sommes à la distribution de l'argent ». J'ai dit « Quoi ? C'est l'eau ou quoi ? Tu n'as rien compris. » C'est deux sacs qui sont arrivés comme ça là, deux et sacs. C'est le mois de Ramadan, si les gens là ne m'ont pas appelé, Damaro, le RPG ne t'a rien donné. Nous là, moi je les ai dit, vous pensez que le postal Fakonde, moi, m'a appelé pour dire « Mène le combat pour moi » ou bien le RPG, le bureau, ou bien le peuple de Guinée, j'ai dit « Je le mène pour moi-même d'abord et pour mon peuple ». Donc, c'est ce qui continue aujourd'hui. Je t'ai dit, il y a quelque chose, je vais vous parler. Si vous avez vu que j'ai publié la photo de Fatou, et j'ai remercié Fatou, vous ne saviez pas le jeu que les gens ont fait. Sinon, moi, Damaro, peut-être Fatou et moi, on serait à la justice aujourd'hui. Là. Ils ont fait du chantage, des voleuses de données et beaucoup de choses. Oui. Tout ça, ils ont fait ça pour me déstabiliser, comme je vous l'ai dit. Là. Ils ont tellement peur aujourd'hui, le combat qu'on mène, nous les exposons aujourd'hui. Non, on a trop gagné. Donc, tu as vu tout de suite, je venais de faire un post tout de suite sur le cas de Kuntoko. Ils ont profité du post pour aller signaler Facebook comme si je faisais de l'arnaque. Et pourtant, je n'ai même pas mon numéro. Facebook avait supprimé, c'est-à-dire ils avaient bloqué la publication. Mais eux, ils pensent que moi, je suis nouveau dans le game. J'ai contesté et j'ai écrit. Ils ont ramené. Mais c'est moi qui ai enlevé le post parce que je ne vais pas dans la nuit. J'ai suffisamment de signalements. J'ai juste enlevé, mais je les ai montrés que j'ai contesté et Facebook a ramené pour leur montrer que nous comprenons le game mieux que eux. Et donc, ils ne connaissent pas. Ils vont tout faire, ils vont beau faire à nous signaler, ils vont beau faire à nous intimider, ils vont beau faire les menaces, commandant d'arrêt et autres là. Donc, ils ont fait tout ça. Ça marche pour vous. Donc, tout ça, c'était du tape à l'œil pour nous effrayer. Pour eux, nous sommes des petits ou ils ne savent pas que. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes conscients de ce que nous sommes, des actes que nous sommes en train de poser. Donc, pas de découragement, pas de corruption, ils ne vont pas corrompre. Ceux qui sont corrompus là, d'ailleurs, même ils ne sont même pas écoutés. Ceux qui vont corrompre là, d'ailleurs, ils ne sont pas écoutés. Aujourd'hui, à Conakry, quand les journalistes là mentent, qu'est-ce que les gens disent? Matou n'a pas parlé, Benito n'a pas parlé, Damaro n'a pas parlé, Fatou, c'est-à-dire les soldats patriotes. Tola n'a pas parlé. Non, ils sont à féliciter. Hein? Non. Nous devons féliciter notre audience. On va écouter. Il y a quelque chose. On va écouter Damaro. On va croire. Sinon, il ne croit plus. Hein? Quand on parle, non, on attend d'abord le communiqué. Vous avez vu les Girassi et puis les gens de film. Après la réunion de nos anciens dignitaires avec le FAMA, ils sont sortis pour dire le Prague n'a pas désigné Kassori après. L'autre est sorti. Talibi Dabo dit que oui, c'est le soir. Comment on l'appelle même? Le secrétaire du parti, là. Talim Sissé est sorti. Ils se sont tués. Personne n'a plus commenté. Tu vois leur mensonge? Personne n'a commenté. Et puis la façon dont Saloum a parlé, là. Saloum a parlé, la façon dont Alpha lui a parlé, là. C'est comme ça que Saloum a transmis. Alpha m'a dit, et puis il a transmis. Donc, l'émission était finie, donc ils ont menti. Si moi j'étais à la place de ceux qui sont abonnés sur les pages, j'allais quitter. Parce que tu ne peux pas venir mentir. Et que quelqu'un qui a été voir le président, il vient dire le contraire. C'est que c'est honteux.
c'est des manipulateurs, c'est des menteurs, c'est des propagandistes. Et ce sont eux qui veulent décourager les gens. Mais mon frère, les blogueurs sont écoutés sur les quatre coins de la Guinée aujourd'hui. Oui. La visibilité, malgré qu'ils ont payé des techniciens, un jour là que je connais, qu'on paye aujourd'hui des millions pour envoyer des virus, pour réduire la visibilité au niveau de Conakry, mais malgré cela, avec nos vidéos, il y a des gens qui ont des pages YouTube, des comptes YouTube aujourd'hui, qui prennent nos vidéos, qui les reproduisent. Nous, c'est pas que ça. Et puis j'ai vu ça, quelqu'un m'a dit que ma vidéo sur YouTube, je dis non, moi, je dis pas. Il y a des responsables, ils ne regardent pas Facebook, parce que quand nous sommes en direct, les gens voient leur compte. Donc, c'est-à-dire ils ne veulent pas que les gens voient leur compte privé ici, dans nos directs. Qu'est-ce qu'ils font? Quand le direct commence, ils ne regardent pas. Après le direct, eux, ils viennent regarder. Ou ils vont sur YouTube, voici les gens ont posté. Parce qu'il y a de ces comptes, ils sont réguliers. Quand on fait, ils prennent ces vidéos-là, ils vont poster sur YouTube. Moi, j'ai dit, moi, je ne demande pas droit d'auteur. J'ai pas besoin de... Voilà. L'essentiel, mon combat, pour que les gens puissent recevoir le message un peu partout à travers les quatre coins. Effectivement. C'est le plus important pour nous aujourd'hui. Donc, ils vont se fatiguer, mon frère. C'est pourquoi moi, j'accentue assez de vidéos. D'une manière aussi, Damaro, ils sont en train de t'aider parce que tu parles de partager dans tous les groupes, partager. Mais quand tes vidéos passent dans des séances comme ça aussi, c'est pour plus encore exposer ce que tu fais. Tu vois? Ça, c'est vrai. Parce que moi-même, je vois ça, moi-même. Je voudrais m'adresser à quelqu'un personnellement. Je voudrais lui dire quelque chose. C'est M. Malick Sankon. M. Malick Sankon, grand frère, moi, je suis d'accord avec toi. Parce que tes petits sont sur la page. Ce que tu as fait hier. Le frère Malick de Basse-Côte Langui International s'adresse à toi souvent en interposé. En c'est-à-dire, il y a une cellule à Kaloum qui empêche les gens de suivre les mouvements. Frère Malick Sankon, tu as vu la politique là, c'est tous les actes que tu poses là qui vont te suivre un jour. C'est le combat d'Alpha Condé pendant 40 ans. La stabilité, la sincérité, c'est ce qui a envoyé Alpha Condé au pouvoir. Et tu as créé ton parti politique qui n'a pas de siège. Comme Mori Kaba qui dit qu'il a à la tête la plus grande plateforme politique. Il n'avait pas de siège. Donc, je voudrais te dire, frère, il paraîtrait que tu as donné des consignes que si un événement se passe à Kaloum, d'identifier ceux qui sont en train de faire les événements. Nous aussi, nous avons des parents à Kaloum, nous avons des frères, nous avons des connaissances. Et en information, il faut faire une matou à page. Et nous, et demain, je m'apprêtais à t'indexer directement. Je mets ton nom sur la page Facebook. Non. Ce que tu viens de dire, ça est en rapport directement en ce qui concerne l'affaire de Kriev. C'est ce que je viens de te dire. Tout ça, là, c'est politique, l'affaire de Kriev. Des gens comme les Malick Sankon. S'il y a des gens qui doivent vraiment répondre. Répondre, oui, c'est parti. Et les Malick Sankon, les Abaka Marissa, les Lamine Cissé de Anaïm. Voici des gens qu'on doit vraiment auditer. Mais ce n'est pas des députés. Mais, là, voilà. Son acte aujourd'hui, si je le dis, c'est parce que son acte a déplu à deux dames qui m'ont appelé. Il y a une dame qui m'a appelé, était avec sa copine, une dame Soussou. Elle parlait, criait. On a Roma, Oma, il faut la réseau social. On a terminé de faire la Guinée, n'y a rien, nous bagarre manama. La dame a été claire, hein. Elle dit, nous sommes Malick Sankon Kolom. Nara bêtise bébé Kolo. Je connais beaucoup de ces bêtises. C'est comme ça qu'elle a dit, hein. Nara bêtise bébé Kolo. Mais Ramadou Anafa, parce que Moutan Torokbe. Moi, Ramera pension. Olé, pension. M'taranaï qui m'aura pension. Nous pensons qu'elle n'en sort pas. Depuis, ils ont dit qu'il n'y a qu'une seule pension. Sombarinaï qui m'aura laissé avec M. Benito. Navalobe, il y a ton nid éclairé. Communicant. Mais il y a un téléphone. Est-ce qu'il passe à 1000 francs? Et 1000 francs sera économisé. Si vous êtes l'on là, et chargé, et ils attendent vers la fin et connecté. Donc, on va faire Malick Sankon, on va faire direct là-bas. On va faire la baie. On va mutamba la faire la baie. On va faire la guinée n'y a ou n'y. Mouta, qui m'a le kaloumbe, mou songa la kama. Comme il t'a roumne, ou quoi là?
Korokwe. Et puis 5 000 malades, 10 000, 10 000. Et puis, je vous dis, hein, c'est l'argent, voilà. L'argent neuf, il partage comme ça. Ana la Guinée Toro, Mouta Makolo, Kobi, qu'elle fait de l'air. Mouta Makolo, Kobi, il fait de l'air. Kobi. C'est eux-mêmes qui ont facilité la sortie du gars. Et nous savions déjà l'argent que le gars a débloqué avant de sortir. Donc, le gars, il a une haine contre ses amis. Parce qu'il ne veut pas voir quelqu'un à la tête du RPG. Il y a longtemps, lui-même, il voulait être ministre. C'est cette haine qui continue en lui aujourd'hui. Donc, nous, on connaît. Moi, c'est pourquoi je n'ai même pas parlé de lui. Quoi. Parce que j'essaie de dire aux gens, pourquoi aller poursuivre un député, mais quelqu'un qui a géré des finances, surtout Caisse nationale de sécurité sociale, quelqu'un qui a géré l'impôt, quelqu'un qui a géré le département des mines, comme si c'est Anaïm. Ces gens-là ont travaillé avec vous pendant des mois. Vous n'avez pas pris leur passeport. Vous n'avez pas commencé les audits sur eux, mais plutôt les politiques. Qu'est-ce que Damantha, qu'est-ce qu'on reproche à Damantha? Damantha, c'est quoi? Damantha même, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on reproche à Ibrahim Kourouma? On l'appelle, on dit, vous avez des biens, mais vous qui avez fait des enquêtes, pourquoi vous venez encore poser la même question? Vous posez des questions à quelqu'un, est-ce que vous avez des biens? C'est la question là, on les a posées. Et comment vous avez eu vos biens? Comment vous avez eu vos maisons? Alors, j'ai dit, on va tout voir. Moi, donc, bon, M. Malik Sankon, c'est la communication de la dame que je suis en train de transmettre dans le direct de Matou. Donc, je voudrais dire, concernant Mediapart aussi, je voudrais dire à ces chefs d'État, moi, je vais le dire la vérité, à ces chefs d'État. Il faut revenir sur Mediapart. Je parle des chefs d'État de la sous-région, je m'adresse à vous tous. C'est Alpha Condé qui est assis entre 4000 comme ça, Alpha Condé, qui a dirigé l'Union africaine. Alpha Condé qui a ramené le Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, on sait très bien que le Congo Kinshasa ne veut même pas sentir le Maroc. Il a fallu la diplomatie du professeur Alpha Condé pour que le Maroc revienne au niveau de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est Alpha Condé là. Parce que le jeu du président togolais, il voulait coûte que coûte en finir. On sait très bien, vous savez très bien que lui voulait en finir avec Doumbouya, le président togolais. Oui, il voulait. Et si la France était retenue jusque-là, là, c'est grâce aux amis aussi de la France, les petits pions de la France en Afrique occidentale, dont le président togolais. Mais comme Macron a reçu des garanties, parce qu'ils ont demandé à Macron réellement comment ils peuvent les aider. C'est ce qui le deal là qui est entre vous aujourd'hui. Et nous voulons dire ceci là. Si nous soulevons, nous prenons ce type-là, il ne faut plus venir, parce que moi, je vais faire une campagne contre vous dans la sous-région. Mediapart a tout taillé. Benito. Non, attends, je vais terminer. C'est pourquoi? Parce que nous allons nous battre. Ce Couture, c'est à travers avec le peuple, il a tenu tête devant la France. Là, ça a été saboté ici. Là. Il a dit qu'il est chez lui. Il est resté chez lui jusqu'à sa mort. Dadis s'est opposé à vous. Vous l'avez tiré sur lui. Mais moi, je peux dire comme ça. Vous avez tiré sur Dadis. Donc, moi, je le dis encore. Parce que nous allons nous battre sans vous. Parce que moi, je sais comment vous avez fait avec le Burkina. Lorsque le peuple s'est soulevé contre Blaise Compaoré, il a fallu négocier avec le peuple même pour avoir un corridor pour évacuer la famille de Blaise Compaoré. Tout le monde là, tout le monde. Donc, ce dernier, vous savez, même si vous l'évacuez, même si vous l'envoyez ailleurs, les Américains ont des dossiers contre lui. Il y a deux familles qui ont perdu des enfants au palais, qui ont des dossiers en France contre lui. Donc, nous laissons ça dans la main de la justice internationale. Mais pour le moment, si on se soulève, après, c'est la même Sédiaola qui viendra nous dire ici là que non, ils vont négocier avec la nouvelle junte. Parce que nous voulons. Je préfère une nouvelle junte. Non, ils n'ont pas resté là-bas. Doumbouya, je te dis, Benito, Doumbouya, le soutien qu'il avait, je te l'ai dit, la Côte d'Ivoire, nous connaissons tous le lien entre Sidia et le président Alassane Ouattara. Dès les premiers jours du coup d'État, ce sont eux qui ont encouragé leurs amis. Le Sénégal aussi, Sélou Dalé, son amitié avec Macky Sall et puis le président de l'autre, Bissau. Donc, tous ces gens-là, dès le départ, ce sont eux qui ont appelé le président nigérien, ainsi de suite. Mais actuellement, c'est les mêmes personnes. On a vu la sortie de Sélou. Ce qu'il avait dit après le 5, il allait encore changer tout. C'est la même chose pour Sidia. Tu as vu, le parti de Sidia est ferme. Ils sont fermes. J'ai aimé. Ils sont fermes. Ouais. Concernant le cas,
Je sais de quoi tu te parles. Tous les parlementaires, les parlementaires ivoiriens, ils voient tout ce qui se passe. Et on a parlé du rapport des États-Unis. D'abord, FBI. Hein? FBI. La CIA plutôt. La CIA n'opère pas aux États-Unis ici. Ils ont plus de 100 000 agents. La CIA, ils ont plus de 100 000 agents, opèrent hors des États-Unis. Hors des États-Unis. Donc, ils sont en Guinée. Ils sont en Guinée. Ils voient ce qui se passe. Ils peuvent être comme toi et moi. Tu ne les vois pas, mais ils font des rapports. Donc, eux, ils ont déjà commencé les rapports sur tout ce qui se passe, les arrestations arbitraires, sur les responsables. Calmons-nous. Le gars, là, je te dis, il va mal finir. Il n'a plus de soutien. Comme tu l'as dit, c'est la France. Et la France ne peut pas manipuler Macky Sall, il ne peut pas manipuler Ouattara. Actuellement, ce qui se passe, ça ne va pas marcher, Benito. Doumbouya va mal finir. Il va mal finir. Mais c'est le peuple. C'est le peuple qui doit maintenant comprendre cela. Ils vont sortir. Matou, vraiment, je remercie tous les invités ici. Benito, je vous remercie. Merci à tout le monde. C'est demain la fête. Je dois aller chercher mon boubou là. Donc, si le général n'est pas beau demain, là, ils vont dire, mais attends. Hein? Tout ça là. Donc, merci à tout le monde. Merci son grand. Merci beaucoup. Merci pour ton combat. Je vais vous rester un peu. Je vais appeler pour prier cette fois-ci à Philadelphie, ville là-bas. Mais ma fille a appointment demain à 9h. Demain, on va fêter ici. Oui, mais. Non, je viendrai après la fête. Je viendrai là-bas après la fête. Pas grave. On va se retrouver chez la tante à Ben Salem demain, Inch'Allah. Ah oui. Et puis, on a vécu à Ben Salem demain. Donc, merci. Je vais après, voilà. Donc, après, bon, on va aller. Voilà. Arriver là-bas, tu me fais signe. On va faire un bon direct là-bas. Donc, invitez-moi. Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais insister sur. Il a dit tout de suite à un point concernant le rapport de la CIA. Voilà. Parce que les gens pensent que nous sommes dans un moment où personne ne nous observe. C'était avant-hier à Côte d'Ivoire, ils ont arrêté dans une maison, une villa, des trafiquants de drogue. J'ai vu ça. En Côte d'Ivoire. Mais c'est les informations qui ont été envoyées à la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des enquêtes ivoiriennes. Ce ne sont pas des enquêtes ivoiriennes. Mais les gens se demandent comment on les a pris. Eux-mêmes, ils se demandent. Nous avons vu les femmes là sortir tous. Parce que c'est une famille qui était installée, une famille normale, comme si rien n'était. Mais c'était, c'est-à-dire la tête même de la transition, du passage de la drogue en Côte d'Ivoire. Ils ont été pris. Donc, à la fin, lui, il s'est débarrassé. Il sait que ce n'est pas du tout une bonne note. Il a eu de sérieux problèmes dans les financements en Côte d'Ivoire à cause de la drogue. Maintenant, notre pays là, et dedans, nous avons été signalés. On le dit maintes fois. Donc, voilà pourquoi notre refus d'accepter même, accorder un peu. Si tu lis très bien le rapport de Mediapart, tu verras, ils ont dit je ne sais pas si c'est le 4e paragraphe de numéro 9, ils disent là-bas que la Guinée est redevenue une plateforme de trafic de drogue. Oui, ils ont dit ça. Notifié par notre DIA. Ils ont précisé. C'est notifié, c'est noté. Bon, est-ce que nous avons vu l'ancien président d'Honduras qui est logé actuellement aux États-Unis, dans une maison fédérale, dans une prison fédérale. Nous avons vu l'ancien, c'est-à-dire, c'est ici qu'il loge. Il avait fini son mandat, il s'est terminé. Nous avons vu aussi un ancien ministre qui est là aujourd'hui, dans une prison fédérale, à cause de la drogue. Est-ce que nous parlons de Mamadi, est-ce que concernant cette note donnée à la Guinée par rapport à la drogue, où va loger Mamadi? Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas, donc nous vous demandons, surtout je parlais de Malik Sankou, tous ceux qui démotivent les gens là, ceux qui distribuent de l'argent. N'oubliez jamais que à chaque fois, moi Benito, je prends tout mon temps pour écrire les noms des gens dans un document et puis garder. Je notifie, je garde. Pourquoi je garde? C'est parce que après toute cette saison, nous ne serons plus ça pour la Guinée. Nous serons sur le terrain, nous allons interviewer dans des médias et tout le temps nous allons citer vos noms. Ce qui fait mal à un trafiquant de drogue, ce qui me fait mal à un voleur, c'est qu'on répète tous les jours son nom et il ne peut rien contre eux. Mais ça va lui suivre, ça va lui suivre. Et c'est comme ça que nous allons faire. La façon dont ils étaient en train de mentir sur Alpha Condé,
les glaciers et autres là. C'est comme ça que nous serons nous aussi en train de vous charger des détails, Moussa, Moïse, tout. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. Il y aura des radios privées, il y aura des stations de télévision privées pour le RPG ou en tout cas pour des cadres du parti. Benito, comme tu as lu le document, il faut parler un peu à l'audience de son domaine qu'il a acheté en Côte d'Ivoire, où il a même transféré beaucoup de voitures des ministres, des dignitaires. Il a tout transféré là-bas. Un grand, grand domaine. Hôtel de, on parle de l'hôtel de Golf Hôtel en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de l'accuser. Vous savez, la première fois, ça fait longtemps que j'ai signalé ça, c'est un Ivoirien qui m'avait appelé. Il a intervenu sur ma page. Il disait que le parti était de passage, il avait des VA, des véhicules guinéens. Comme lui, voisin entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le gars avait intervenu sur ma page. Mais maintenant, c'est devenu officiel parce que c'est documenté par Mediapart. Ça se trouve dans les véhicules du gouvernement, les 4x4 achetés, l'argent de la Guinée, comme a dit Honoré. Écoutez, comme vous croyez qu'on bavarde seulement, écoutez les bandits que vous avez là-bas comme ça. L'argent n'appartenait pas à Alpha Condé. L'argent appartenait au gouvernement. Mais la nécessité de rendre fluide le transport du personnel, Alpha Condé a eu le souci d'acheter de nouvelles voitures pour tous les départements. Ce sont ces voitures aujourd'hui qui ont été... C'est une dame, Sylla, c'est une Guinée, là, en Côte d'Ivoire. C'est elle qui a facilité, et c'est elle qui est en train aujourd'hui de faciliter l'achat des maisons, des villas pour tous les gens du CNRD. Amara en a aujourd'hui plus de 3. Mais je parle de Doumbouya, la maison n'est même pas cachée. Dans la cour de la maison, sont garés des 4x4. Et aujourd'hui, il y a un individu qui a disparu. Il a disparu. Lorsque nous avons signalé sa présence, il paraîtrait, selon les vraies informations, c'est lui qui est en train de gérer les dossiers de Doumbouya en Côte d'Ivoire. Idriss Chérif, l'ancien conseiller, Idriss Chérif. Idriss Chérif est en train de gérer tout ce qui appartient à Doumbouya en Côte d'Ivoire. Vous avez vu dans les deux, il a disparu. C'est-à-dire, lui, il est né en Côte d'Ivoire. Sinon, il est de Siguiri. J'ai parlé avec une de ses sœurs un jour. Une de ses sœurs. Donc, je vous le dis, la villa n'est même pas cachée. Dans la cour se trouvent les véhicules de la République de Guinée. Les VA, parce qu'on ne peut pas prendre un véhicule du gouvernement à l'échanger à la plaque. Les Ivoiriens sont très vigilants parce que c'est une société. La société appartient au ministre Big Togo. C'est Big Togo qui a la société d'immatriculation et de confection de passeports en Côte d'Ivoire. Allez-y demander, le ministre Big Togo. Renseignez-vous très bien sur lui. Donc, on ne peut pas... Donc, les véhicules sont là, gardés dans la cour là-bas. Si vous... Prochainement, même dans une émission, nous allons vous montrer les photos des gardiens qui sont devant la porte. Le service de sécurité, là, il y a leur leader aujourd'hui qui travaille avec Doumbé. Il vient chercher les marchés à Conakry. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons rien contre nos frères ivoiriens. Nos 90% de nos abonnés sont en Côte d'Ivoire. Mais nous le disons pas. Le pays, là, aujourd'hui, abrite les biens publics guinéens. Donc, si vous voulez... C'est un rapport de Mediapart. C'est pas ce qui a inventé ou on n'a pas pu chercher. Nous l'avons dit, mais Mediapart dit qu'il a des maisons. Ils n'ont même pas dit qu'il a une maison. On dit qu'il a des maisons en Côte d'Ivoire. Des maisons et des grands domaines. Oui, il a dit des maisons. Et aujourd'hui, à Assini, Mediapart, à Assini, la place d'Assini, tout au long, il a plus de combien d'hectares à Assini? Il a acheté lui-même. Ouais. Beaucoup. C'est lui qui a acheté, c'est pour lui. Moi, d'ailleurs, si j'avais accès à Mediapart, si j'étais abonné à Mediapart, moi, j'allais tout faire, les demander de nous aider à avoir les numéros de domaines-là. Ça, c'est pour un jour. Nous avons vu le Congo qui s'est fait restituer tous les biens volés par Mobutu. Ils ont ramené tout. Tout. Et imagine, Benito, des gens qui n'ont même pas fait un an encore au pouvoir. Non, ils n'ont pas fait un an. C'est dans ça, là, ils veulent faire 6 ans. Je m'adresse à ces petites personnes qui ont un petit esprit. Tous ces exemples-là, c'est pour vous dire que c'est dans ça, là, on veut faire 6 ans. C'est-à-dire, ils veulent qu'on fasse 6 ans dans ça. Les gens sont... Ou bien, maintenant, des domaines comme ça en Côte d'Ivoire, des biens comme ça en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est à la retraite, un pensionnaire, reçoit 500 000 au lieu de 1 500 000. 500 000 au lieu de 1 500 000. 1 500 000. Vous aussi, disons la vérité. Alors, nous ne sommes pas bénis. Le pays appartient à qui? Ça appartient à nous. Le pays nous appartient. C'est pour nous.
Donc, moi, je le dis, la solution, c'est le peuple. C'est-à-dire, je retourne, je m'adresse au peuple. Amara, aujourd'hui, a acheté des maisons. Idi Amin n'achètera rien. Parce que Amara a acheté une maison, je ne dirais pas la somme, truc vers Lambani qui coûte plus de 10 milliards de francs. D'où sort l'argent là? Amara, tu logeais chez tes parents. Amara, juste en bas de son papa. Ce n'est pas lui, hein, c'est les gens qui nous ont dit. Ce n'est pas quelqu'un. Hein. Ce sont nos parents même. Allez, Vamara Banzana. Plus de 10 milliards. Vamara Banzana, Yanoussana. Dans notre langue, Vamara Banzana, même Bessana. La personne qui parlait, il pensait que j'allais être content. Voilà, Vamara Banzana, Romain Bessana. Oui. Mais comme moi, je sais que ce sont les lieux que nous allons. Parce qu'il a acheté, il n'a pas mis sur son. Il n'a pas mis avec son. Il n'a pas mis les documents avec son nom. On sait, nous connaissons la technique. Mais certes, les gens vont montrer les propriétés de ces domaines un jour, de ces villas. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais dire encore une fois pour terminer, pour ceux qui pensent que nous demandons encore une fois à un parti politique de venir assister à ces événements de 5, de tromper-vous. Si tu dois venir et tu sais que tu viens au nom d'un parti politique, il faut rester à la maison. Ce dont nous demandons le 5, le 6 et le 7, le 8, c'est ceux qui parlent au nom du peuple et ceux qui veulent faire le combat du peuple. Et de passage, je vais féliciter le FNDC et féliciter ce mouvement-là. Permets-moi de sortir le nom du mouvement. Excuse-moi. Je vais sortir parce que ils sont en train de faire du bon boulot. J'appelle ça du bon boulot. Voilà, parce que les gens là, ils ont, c'est clair, ils vont montrer, excuse-moi, voilà. Attendez, rapidement. Voilà, attendez. Envoyez les cœurs et partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Vous avez vu, c'est très intéressant. Donc, partagez dans tous les groupes, envoyez le cœur, vous voyez. Rendez les vrais empaïstes plus forts en partageant tout plus fort dans tous les groupes. Je t'informe qu'une patrouille de la gendarmerie à Mandiana a été violemment attaquée, il y a des blessés. Je t'informe, hein, ça est là, ça vient d'arriver. Ceux qui pensent que c'est l'amusement. Bon, je ne retrouve pas, mais c'est pas grave, je verrai ça. Vous savez, c'est-à-dire. Le responsable là, il a été clair, c'est la société civile. C'est parce qu'aujourd'hui ils se sont désolidarisés, ils ne travaillent plus avec le président du CNT, le bandit là. Donc je voudrais vous dire ceci, on vient juste de m'envoyer deux manifestes comme ça à Mandiana, ils ont commencé, ça dit le Ramadan est terminé, voilà, la Guinée sera un pays de zingue, voilà, le plus fort va s'imposer. Il dit qu'il est plus fort parce que si vous pensez qu'il maîtrise la Guinée, vous mentez. Il ne maîtrise pas la Guinée. Il n'a rien compris. Mon mec 5 là. Donc, sortons tous le 5 et puis nous continuons. Aujourd'hui, jusque là où je parle comme ça, les dames qui ont bloqué les deux routes là, au Mali, là, elles n'ont pas quitté. Elles ont été claires. En te voyant tant que. Parce que Ibeka a été enlevé parce que les gens mouraient. Mais Aïdite Kana mort attaqué. Donc, comme jusque-là, on attaque. Les dames sont allées loin pour dire qu'on peut attaquer un camp militaire, les soldats étrangers sont arrêtés là-bas, là, ils n'interviennent pas. Donc, ils veulent savoir, Assimina qui allait dire le rôle joué par les gens, ou bien non, qui a quitté la zone. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont bloqué deux artères qui ravitaillent une grande partie du centre. Donc, nous aussi, là, c'est ce que je demandais d'abord à nos femmes. À nos mamans. À partir du 5 là, on a sa maquitide. Mais on a fallu moukana meilleure et fallait massandise kana. Comme un troton. Ton une roue, comme un autre diamant, bébé, bonne marchandise. Non. Ton yal tude, loute kou di mon. Son tawaka et mon loute ton. Ni mengalon kafataro, aïto luma, betu bra. Ni à partir du 5, ni kabo, ni kamen sur le kalan, ni kala moukoude. Donc, sortons tous le 5 et cela va continuer. Aujourd'hui, là, ils n'ont plus de chance. Personne distribue de l'argent. Vous avez vu ce qu'ils font mal aujourd'hui. Je vais vous dire ça, le secret. C'est qu'au-delà de toutes les distributions d'argent,
jusque là, ils voient que ça continue. Au-delà de tout, l'individu qui est venu avec plus de 50 000 dollars aux États-Unis pour acheter Matou, acheter Damaro, acheter Benito, acheter Fatou, le gars là a détourné l'argent. Parce qu'il n'a ni vu Matou, ni vu Damaro, ni vu Benito, ni vu Fatou. On demande de rentrer, il rentre plus. Ça, c'est son... Moi, je demande de rentrer. Moi-même, je ne savais pas que quelqu'un, c'est le frère Malik Kamara du Bas. Moi aussi, je ne savais pas. Non, c'est lui qui a fait dans son. Parce que lui, il est abonné à YouTube. Il a fait sa vidéo, il l'a dit, il connaît la personne. Il a même dit, il est dans le Delaware. Ici, il n'est pas loin. Il est venu avec 50 000 dollars. 50 000, c'est pour acheter. Et voilà son seul mensonge. Il dit qu'il connaît tout le monde, il a nos contacts. Voilà. Ils ont calculé même les déplacements interstate. C'est-à-dire, il va aller chez toi, venir chez moi, comme ça. Voilà, ils l'ont cru parce qu'il a dit aux États-Unis. Et moi, je dis au frère, Dieu merci, c'est sa chance. C'est son argent. Peut-être qu'il va faire 2 ans sans travailler aux États-Unis ou 3 ans sans travailler aux États-Unis. Donc, moi, je vous demanderai encore une fois au frère Malik Sankong, à tous ceux qui découragent les gens, nous vous promettrons que c'est à travers notre combat, à travers tout ce que nous faisons là, que le salut viendra pour libérer le pays. Et je vous promets, tous vous les communicants, les blogueurs qui ont reçu de l'argent, qui est en train aujourd'hui de boycotter, de saboter le peuple de Guinée, n'oubliez jamais que moi je ne classe pas quelqu'un. Mais après la suite de Doumbouya, je pense que c'est la première fois que je vais rentrer dans les clashs. Parce que c'est lui qui vous transfère de l'argent en Europe. Je le connais. On m'a envoyé son numéro. On m'envoie toutes ces informations. Il est entré en contact une fois avec moi. Moi, je l'avais oublié. Donc, comme c'est la dénonciation, ne vous fatiguez pas. Moi, je viendrai vous dénoncer. Je viendrai donner le numéro de transfert par où il a transféré ce que vous avez reçu. Et j'expliquerai à tous nos abonnés, parce que nous avons les mêmes abonnés. Je leur dirai, voilà ceux qui ont reçu de l'argent dans notre groupe. C'est aux abonnés de vous suivre. C'est aux abonnés d'avoir confiance en vous. Mais pour le moment, Dieu merci, Alhamdoulilah, je fais partie des personnes dont les Guinéens ont confiance aujourd'hui. Matou fait partie, Damaro fait partie. Moi, si on insulte Matou aujourd'hui, on frappe Matou, c'est moi qui ai fait, c'est ma faute. Voilà, tout ce qui arrive à Matou aujourd'hui, là, souvent c'est à cause de ça, là, je ferme ma bouche. C'est ma faute parce que c'est moi qui l'ai mis sur les réseaux sociaux. Là, je demanderai pardon tous les jours. Quand quelqu'un l'insulte, je demanderai, je ne dis pas à la personne pardon, je demanderai à Matou pardon. Voilà, parce qu'à Bad Coco, sur les en tout cas, c'est toi qui m'as mis sur les réseaux sociaux. Le câble, Nambararo. Voilà, mais aujourd'hui, elle est plus qu'aimée. Moi, je suis très fier parce qu'Al Molbanki, il m'a tout foigné. Ça, j'aime beaucoup ça. Voilà, il doit faire rien. Fatou, Matou. Mais Al Molbanki, il m'a tout faux. Donc, ça fait de l'amour, c'est bon, c'est beau. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Je ne dis pas parce que c'est sa page. Elle n'a pas besoin. Je ne vais pas dire ce qu'elle fait aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de le dire. Et quand le coco, moi, t'es fou, c'est l'Américain, Alhamdoulilah. Moi aussi, t'es fou, c'est là, en réseau social, en rôle de dominant. Mais tout le monde connaît son combat. Matou, là, aujourd'hui, la Guinée-Cara, il y a vraiment. Si Matou dit ça, qu'on a fait. Allez, là, donc, quand elle a combat, elle m'a dit. Elle a combat, tournadaï, parce que l'estime, la considération. Voilà, nous voyons aujourd'hui, à Poutou, en Côte d'Ivoire, partout. Nous voyons les autres, quand ils rentrent dans leur pays, l'estime, la considération. Ce n'est pas une comparaison. Mais vous qui avez accepté l'argent. Et aujourd'hui, je remercie. Les abonnés ont fait cette remarque. C'est eux-mêmes qui écrivent sur les pages. Moi, j'ai demandé à beaucoup de ne pas écrire sur ma page. Telle personne a changé de veste. N'écrivez pas sur la page de Matou, Damaro et Mansa Bilal et Soray Wantos. Et je vous dis merci. Franchement, j'ai pris assez de temps avec ma chérie. Et je vous le dis, sortez le 5. Sortez le 5. Si vous voulez rendre hommage au peuple, et je le répète, j'insiste, vous ne sortez pas pour Alpha Condé, vous ne sortez pas pour Dr Kassori, vous ne sortez pas pour Benito, ni pour Matou. Personne ne sortez. Vous sortez pour vous-même. Parce que vous êtes pris en otage vous-même. Et si vous ne vous rendez pas compte, nous le disons. Vous savez ce que nous pouvons faire, c'est de dire sur les réseaux sociaux ce qui arrive à notre. Nous ne sommes pas les plus intelligents, nous ne sommes même pas intelligents. Mais c'est parce que vous avez accepté que nous soyons devant vous sur les réseaux sociaux. Sinon, chacun peut parler. Mais aujourd'hui, là, tout le monde ne peut pas venir parler. Mais vous avez accepté parce que c'est vous qui partagez, c'est vous qui mettez les cœurs, c'est vous qui sécurisez les comptes. Donc, c'est grâce à vous, nous existons en matière de publication. Moi, je le dis. On doit vraiment les remercier. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas. Qui paye vos abonnés et vos abonnements? Qui paye vos passes? Personne ne paye.
Mais l'esprit de l'esprit patriotique que vous avez là envers les informations que vous recherchez, les bonnes nouvelles, l'inquiétude que vous cherchez sur les autres. Donc, appliquez ça sur le terrain. Voilà, le jour est là, c'est le jour parce que vous payez les passes, tous les autres, vous pouvez dépenser 4 000 avec toutes les difficultés qu'on a créées. Mais c'est le moment d'appliquer ça sur le terrain. L'homme qui fait que vous payez les passes là, vous passez tout ce temps à payer. Maintenant, dégagez-les. Il n'a qu'à partir, demandez-le de partir. Le pays ne l'appartient pas. Pour lui, le pays l'appartient. C'est tout. Aujourd'hui, Idi Amin dit, tout le club dit au monde entier qu'ils peuvent gérer le pays. Ils ont déjà géré ceux qui peuvent les embêter. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Ceux qui peuvent les embêter là, ils les ont gérés, ils les ont mis en prison. Tous les officiers supérieurs qui ont été mis à la retraite là, ils les ont promis un passeport diplomatique et des primes et de l'argent. Vous avez vu, ils ne parlent pas, hein. Personne ne parle. Il y a un seul qui est parent à Sose, un seul qui est parent à Idi Amin, qui a été nommé gouverneur de Farana. Condé, il a été nommé gouverneur. Et c'est un parent à Idi Amin. C'est lui qui a été envoyé en Farana comme gouverneur. Vous le connaissez très bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, sortez. Au lieu de passer tout le temps à payer les passes-là, appliquons ça le 5. Prenez tout le monde, sortons, demandons. Nous ne sommes pas armés. Il faut bloquer celui qui est en train de mettre la tête de mort, là, si tu le vois. Donc, moi, je le dis, sortez. Et supporter tout le monde. Le combat là n'est pas pour quelqu'un. Moi, je suis avec des gens sur ma page depuis que j'ai commencé. Il y a le frère Alcène ici, là, qui est à Danemark. Il est jusqu'en Danemark. Hein. Même s'il est en train de travailler, il se connecte. Voilà. Le frère Stéphane, il est à 45 minutes de chez moi ici, à New York, à Newark ici, là. C'est un grand frère. On est tout le temps en contact. On communique. Ceci là, ils sont là, ils partagent. Brigitte, même, c'est pas. Qui a passé une antenne de pleurer. Alpha a été pris, elle a passé 2 jours sans manger et pleurer. Est-ce que vous comprenez? Nadia, on n'en parle pas. Des gens qui ont dépensé leur argent pour le RPG. Aujourd'hui, les gens-là sont en train de vous motiver, sont en train de dire. Parce que Doumbouya, même si Doumbouya était le Messie, mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui n'est pas un acte d'un Messie. Est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui-là, c'est un acte? Parce que le seul bilan, c'est mon dernier mot, leur bilan, le seul bilan de le CNRD, c'est d'avoir mis en prison tous les ministres d'Alpha Condé. Voilà le bilan. Oui. C'est le seul bilan. Non, tu allais dresser le bilan là aussi. Si son excellence lui était déjà là, parce que déjà, ils disent qu'il a dépassé sa date qui lui avait été donnée pour se présenter au CRIEF. Donc, normalement, de l'aéroport, c'est là-bas, et lui aussi, il va les rejoindre. Donc, non. Il allait faire partie du bilan, non? Oui. Non, effectivement, ils ont dit ça. La date qui lui avait été donnée est passée. Donc, actuellement, là, il est en infraction. Celui-là, ils disent qu'il est en infraction parce qu'il n'a pas respecté. Et c'est vrai. Donc là, on ne sait pas, on ne connaît pas son sort. Mais nous, nous demandons pour sa propre sécurité, voilà, de rester d'abord en dehors du pays. Mais moi, c'est à cause de ça que je me suis adressé à ses partisans. Si c'est lui qui pense que c'est un problème de RPG, un problème de l'IFR, un problème de... Moi, je vais dire à l'IFR, je tue le chapeau, honnêtement, en toute sincérité. C'est maintenant que je me rends compte que le parti là est un parti, l'IFR de Sidi Touré. Je te le jure, le parti qui a un ton de plus, le ton le plus ferme dans ce pays-là, c'est l'IFR. Je te le jure. Du secrétaire général à toutes les femmes, les dernières déclarations-là, ils n'ont même pas parlé de gauche à droite. Ils disent qu'ils rejettent tout le chronogramme. Ils rejettent tout le chronogramme. D'ailleurs, il y a un groupe qui dit qu'il y a un nouveau coup d'État parce que Doumbouya a juré, il a prêté serment. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est au CNT de décider le chronogramme. Mais c'est eux qui ont décidé du chronogramme. On parle d'assises là. Est-ce qu'il y avait des partis politiques au niveau des assises? Il n'y avait pas de partis politiques. Donc, cher peuple, je m'adresse à vous. Nous parlons du peuple, nous ne parlons pas de quelqu'un ici. Voilà, sortons tous, marchons. On ne casse rien, on ne fait rien. Aujourd'hui, Mandiana a commencé. J'ai leur manifeste ici. Là. Ils ont attaqué partout de la gendarmerie, là, à Kerouani. C'est comme ça, partout, ça va se passer. Donc, à Conakry aussi. Donc, je vous souhaite une excellente fête de Ramadan. Je sais que vous allez fêter dans les mauvaises conditions. Parce que, je le dis comme ça, parce que même le manger, on ne trouve pas. Tu ne peux pas. N'oublie pas, parce que je te laisse gérer le reste. Maintenant, on va quitter ensemble. N'oublie pas de savoir que c'est dans la première fois depuis des temps que les fonctionnaires, à la fin du mois, n'ont pas reçu leur salaire. Et ils sont en train de passer la fête sans salaire. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été payés. Oui, ils n'ont pas été payés.
Mais ils ont changé des gens pour les payer. Hein. Ils ont sélectionné certaines personnes. Voilà. Oui, mais là, oui. Je ne sais pas s'ils sont des prix. Mais dans les temps, les gens là avaient leur salaire une semaine avant la fête. Quand tu joues 5 jours avant la fête. À la fois qu'on les paye les gens le 21, d'autres même. Il y a une femme qui a régulé sur ma page. Elle dit, ah, Mbalo Makobi Tongara, Makobi Waruma Sabo. C'est-à-dire, elle a pris son argent le 22. Après, on l'envoie la note que le 18 qu'il doit être payé le lundi. Le lundi, c'était le 20. Le lundi qui suivait était le 21. Tellement qu'on paye les gens à temps. Hein? Est-ce qu'en Guinée, on paye on, avant d'attendre l'ensemble quand on paye quelqu'un le 30? Non, c'est le 3 et le 4. Alpha Condé paye les gens dans le mois même. Et voilà un individu qui n'arrive pas à payer les gens pendant la fête. Comment les gens là? Bon, les fonctionnaires là, leur salaire là, qui va payer après la fête là. Est-ce que c'est leur argent? Non, c'est l'argent de crédit, parce qu'ils vont rembourser. Mais comment trouver même de crédit à Conakry? Qui va crédit quelqu'un à Conakry aujourd'hui? Qui? Compliqué. Ok, bonne fête. Portez-vous très bien et merci à Marc. Merci beaucoup. Merci Benito. On s'appelle après, oui. Voilà, donc, mes chers compatriotes, vous avez écouté les combattants, les alpaïstes. En train de, you know, c'est eux qui ont animé le show aujourd'hui. Donc, nous le disons merci, Benito de Massanta et son général 5 étoiles. Le résumé est que on doit se mobiliser, on doit sortir comme un peuple, on doit demander le départ des putschistes. On a déjà compris le jeu. On a compris aussi que nous devons compter sur le. Sur la CEDEAO, rien ne sera résolu car nous avons compris que la plupart des têtes de la CEDEAO sont les marionnettes de la France. Donc, ils font le jeu, mais ils ne sont pas là pour nous aider, nous. Ils sont là pour aider la France. Ils sont là pour faire revenir la France en Guinée. Et ça, c'est dommage parce que le président lui-même a constaté, je suis sûre, qu'il a été trahi par les gens qui l'appelaient mes amis. Donc, c'est pas facile de retrouver une aiguille qui est sous ton pied. Donc, c'était le problème. C'est le résumé de ce qui s'est passé de son séjour de Abu Dhabi et comment il s'est retrouvé. Au fait, le président de la Côte d'Ivoire, ils avaient leur main dedans pour faire revenir le président parce qu'ils ont vu qu'il a commencé à réactiver ses réseaux. Et ils ont eu, avec la pression de Mamadi, et vraiment, Ouattara n'a rien fait pour vraiment améliorer la situation pour le président. Par rapport aux élections et quand la Guinée est là, on est en train de traîner les pas avec Mamadi Doumbouya. Parce que ce qui se passe au fait, le coup d'État du Mali, ce n'est pas un coup d'État qui arrange la France. Le coup d'État du Mali n'est pas un coup d'État français. Donc, il faut les asphyxier. Et ils vont passer par les Maliens eux-mêmes pour vraiment donner des problèmes à leur gouvernement. C'est comme ça qu'ils sont. S'ils ne peuvent pas directement, ils vont pousser les populations à aller aux révoltes et croire que l'État qui est là ne fait rien de bon ou les peuples souffrent. Alors que c'est eux qui sont en train de faire souffrir la population. Mais Mamadi, il ne sait pas où donner la tête parce qu'ils ne veulent même pas que Mamadi fasse les élections ou Mamadi s'en aille. Ils veulent le garder au pouvoir là-bas. Donc je dirais au peuple africain de se réveiller. Le peuple africain les nations africaines doivent se réveiller. Passez le message là dans tous les groupes. Dans tous les groupes. Et même le peuple ivoirien. Je vois maintenant les problèmes que son Excellence Bago avait. Pourquoi il a eu les problèmes qu'il a eu? Je suis désolée que nous avons très mal jugé ces chefs d'État sans vraiment connaître le fond. Parce que la France est derrière. La France veut les faire partir. Parce que c'est des vrais patriotes. C'est des panafricains. Ils ne veulent pas l'évolution de l'Afrique. Et ça, il faut qu'on se réveille les Africains. Ici, on ne se réveille pas. Nous sommes victimes de notre propre ignorance ou de notre propre naïveté ou de notre propre... comment on appelle ça? Nous sommes victimes de nous-mêmes. Nous ne savons pas comment nous en sortir. Parce que nos chefs d'État que nous avons à la tête de nos nations ne pensent qu'à eux, à leur pouvoir. Ils s'en foutent.
de la population. Mamadi, actuellement, tout est arrangé pour lui. Si ça saute, ça va à l'envers de ce qu'ils ont programmé pour la Guinée, il va rejoindre Alassane Ouattara comme Blaise Compaoré l'a rejoint en Côte d'Ivoire. Il a déjà acheté des grands domaines, il a transféré les voitures du gouvernement là-bas, il va s'installer là-bas, peinard, comme Blaise Compaoré. C'est la même chose. La France t'utilise, quand ils ont fini de toi, ils vont te jeter comme une mouchoire. Et on a nos propres chefs d'État auxquels nous devons vraiment prendre exemple et on doit les regarder comme des modèles à suivre. Nous les appelons les intellectuels africains. J'avais tellement d'admiration pour Alassane Ouattara de savoir que lui, de près, de loin, qu'il peut avoir quoi que ce soit à voir à ce que la Guinée est en train de traverser actuellement. Ça me brise le cœur. Et je dis encore que l'Afrique a un long chemin pour parcourir. Ce sera un long chemin pour nous à parcourir. Comment une organisation comme la CEDEAO peut toujours... C'est-à-dire l'objectif d'une organisation comme ça, c'était de vraiment avoir finalement notre indépendance politique comme économique. Mais nous mettons les gens à la tête de ces organisations-là qui sont toujours au service du néocolon. On ne va pas s'en sortir. Nous ne s'en sortirons pas. Mais je suis très fière du peuple africain. Je suis très fière. Je suis toujours en ligne. Je vois les activistes, je vois les panafricains, je vois M. Konaré, le patron des patrons du panafricanisme. Ils sont là, ils ne se fatiguent pas. Personne ne les paye, mais ils continuent à travailler. Merci M. Konaré de loin, parce que votre message est en train de passer. La jeunesse africaine est en train de se réveiller. À un moment, tout ça là va finir. La France, ça ne va pas marcher. À un moment, il faut que la France comprenne que l'Afrique ne pourra plus être l'Afrique d'avant. Les enfants de l'Afrique sont réveillés. Les enfants de l'Afrique continuent à se réveiller. Ils vont venir vers nous comme de nation en nation où les pagailles vont continuer et ils seront sabotés dans tous les pays africains. Ça a commencé, ça va continuer et ça ne se ratera pas jusqu'à l'obtention d'un respect mutuel de nation en nation. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Je vous ai dit depuis le jour que je suis venu ici. On est fatigué de rester dans nos salons faire les critiques. Nous venons pour mettre notre grain de sel au changement positif de l'Afrique. Parce que tous les pays, surtout francophones, souffrent de cet impact de la France. Ils ne veulent jamais laisser l'Afrique. Quel est le problème que vous ne pouvez pas laisser l'Afrique décider pour son destin? Où est le problème avec la France qu'on ne peut pas nous laisser être le maître de notre destin? Depuis que le professeur Alpha Condé les a dit que pour la création de l'écho, il est partant, mais il faut que ça soit parrainé que par l'Afrique, par les pays africains 100%. C'est là qu'il avait signé son décret de mort. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Si la France est sincère dans ses sentiments d'aider l'Afrique à se développer, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Mais nous devrons continuer à dépendre d'eux. Nous ne devrons pas apprendre à être responsables de notre propre destin. Nous devons continuer à téter. Le cordon ombilical doit rester. Et ça va changer. Je vous promets que ça changera. Peut-être, certes, ça ne sera pas notre génération, mais ça continuera. La lutte continuera jusqu'au changement obtenu. Donc, vraiment, merci beaucoup de votre attention. Nous avons eu le grand plaisir de partager ces nouvelles de Mediapark avec vous. Et je dirais aux peuples ivoiriens que je les aime, je les adore. Je suis partie en Côte d'Ivoire. J'adorais le président Alassane Ouattara, mais la vie, on doit travailler sur le fait. Allez chercher les informations. Ne soyez pas seulement des suivistes des suivistes partisans. Ayez les informations pour dire oui, ils ont raison, ils n'ont pas raison. Je suis désolée si j'ai offensé le peuple ivoirien qui m'écoute, beaucoup qui m'adorent, mais je ne le disais pas pour offenser le peuple. Mais je parle de la personne qui était un ami, un soi-disant ami du président de la République qui l'a vraiment balancé sous le train. Oui, c'est ça. Les preuves que nous avons eues, c'est ce que ça montre. Et leur démarche, après l'arrestation du président, leur venue à Conakry, si tu t'assois, tu prends ton temps, tu réfléchis, tu comprendras que oui, ça, c'était une eau dormante, elle n'était pas. Il y avait une même noire dans tout ce qui s'est passé. Donc, vraiment, c'est désolant que c'est arrivé et c'est dommage parce que la Côte d'Ivoire est comme un pays. C'est comme mon pays. Je l'adore, j'ai aimé les Ivoiriens, j'adore toujours les Ivoiriens, j'aime toujours la Côte d'Ivoire. J'ai compris que le vrai président pour la Côte d'Ivoire était vraiment Laurent Gbagbo. C'est le vrai panafricain. Et c'est à cause de son panafricanisme qu'il a eu tous les problèmes qu'il a eu, qu'ils ont voulu qu'il parte, parce qu'il a compris
Ils connaissent leur jeu. Et je te dis, ils ne veulent pas qu'on s'émancipe, on soit émancipé, ils ne veulent pas que nous prenions nos destins en main. Donc, c'est pour cela qu'il fallait le déstabiliser en racontant ce qu'ils ont raconté pour tout faire pour qu'ils ne soient plus là, avec leurs mains noires dedans. Donc, celui qui est venu, nous avons cru que c'est sûr, il va apporter quelque chose de meilleur, mais avec ce qu'il joue comme rôle dans les pays africains, surtout de la sous-région, vraiment, moi, je suis déçu. Je suis très déçu aujourd'hui et la déception continue parce qu'il a remis le président sous l'emprise de la junte militaire en Guinée. C'est vraiment dommage. C'est très dommage. À la fin de la journée, nous avons besoin de nous débarrasser vraiment de tous ces chefs d'État-là qui sont au service de la France, qui ne comprennent pas que s'ils travaillent pour leur peuple, le peuple va les aimer. La France ne pourra rien. Tu as besoin de ton peuple. Et ça veut dire quoi? Tu travailles pour ton peuple. Sois honnête avec ton peuple. Travaille. Aide le peuple. Aide les enfants. Aide les femmes. Aide les étudiants. Fais le travail qu'il faut. Je vous jure, le peuple se te soutiendra. Même si ils veulent faire quoi, tu n'iras nulle part. Il ne faut pas avoir peur pour accepter l'inacceptable, pour vraiment déstabiliser et ta nation ou les autres nations. Donc, moi, je dirais que je suis désolée, mais je suis vraiment déçue parce que j'avais une grande admiration pour son excellence Alassane Ouattara. Ce que j'ai appris de cette nouvelle, vraiment, bah, je suis bouche bée dedans. Mais en réfléchissant, ce n'est pas une surprise. Parce que le chemin s'est adressé depuis le coup d'État, de la façon dont tout se passe, je crois que je dois juste accepter la réalité que oui, il y avait une main noire à la déstabilisation de la Guinée. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fête. Je crois qu'on a eu de très bons moments avec les alphaïstes qui ont participé aujourd'hui. Portez-vous bien et on se retrouvera dans la semaine, Inch'Allah. Merci et bonne fête. Salut ma foi à tout le monde. Bisous. Merci.